Et bonjour à tous, c'est Thompson, on se retrouve pour l'épisode 10 de Assassin's Creed Rogue. Comme prévu, je vous retrouve littéralement au moment où j'ai quitté, j'ai repris. Je vais réparer le bateau parce que là, ça fait mal au cul. Et on va du coup au dernier épisode, on a retrouvé Franklin. On a rejoint les Templiers de manière officielle. On est devenu plus ou moins Paul. On est devenu plus ou moins pote avec. Avec les compagnons de Ethan Kenway, donc le personnage principal de la première moitié d'Assassin's Creed 3, si je dis pas de conneries. Alors, je veux bien tirer et tout, mais ah bon, vas-y, on va l'aborder aussi, ce sera fait. Oh, je vais y aller à la grenade, hein. Ah mais il a coulé le bateau. Ah non, c'est bon, on est en train de l'attraper. C'est juste que c'est très loin. La vie. Il est juste très loin. On a fait ça, on a récupéré Franklin, on a fait péter une réserve de poison qui allait potentiellement être utilisée par les assassins apparemment. On a un lance-grenade désormais, et là on allait aider le colonel qui est dans un fort encerclé. Et sur le chemin on est tombé sur quelques énergumènes. Que l'on va purger, voilà. Parce que, ils ont essayé de faire chier, du coup j'ai décidé de leur péter la gueule. Alors voyons voir. Salut les gars. J'aime bien ce truc, c'est que je peux tuer tout le monde avant même d'être sur le bateau. C'est très drôle. Alors, je voulais pas plonger. Remonte. Allez, toi t'es mort, toi t'es mort. C'est gagné. Trop dur ce jeu. Let's go. Et je pourrais l'envoyer dans ma flotte celui-là, parce que techniquement j'ai pas vraiment besoin de plus. Allez, on va l'envoyer dans la flotte. Ça va me faire un bateau de plus. Allez, t'es capitaine Pegu, tu feras gaffe, tes cheveux ils sont en train de dépasser du chapeau. Je préférais qu'il reste chez lui avec sa maîtresse. La sienne ou celle du roi? Un coup dans l'eau. Je sais pas comment il fonctionne ce coup. Je connais plus mes touches, je sais pas comment fonctionne. Bon, je voulais juste soigner mon bateau. Une homarfie dans les draps du roi de France. On va quand même pas me croire ça. Alors par contre, il y a un chasseur de primes qui va me poursuivre. Bon, il s'est barré. Mais le brouillard, j'aime moyen. Ils veulent que j'aille où sur la map? Je suis même pas dans la bonne zone. Faut que je retourne dans. Faut que je retourne dans l'autre partie, c'est pas la bonne. Hein. Et c'est là qu'il faut que j'aille. Donc il faut que je me TP par là. Donc autant aller dans un endroit auquel j'ai déjà accès. Je pourrais prendre le QG de gang. Alors, on va tenter un truc. Avant d'aller aider le capitaine. On va réparer et potentiellement améliorer le bateau. Déjà. Parce que j'ai du pognon, j'en profite. Ouais, je dépense de l'argent, c'est incroyable. Parce que j'ai toujours pas récupéré l'argent du coup dans ma ville. Ça c'est un peu embêtant. Mais je vais surtout réparer tout ça et racheter des munitions de tout, à peu près. Parce que sinon, ça commence à être un peu embêtant. Oh, hi, moi. Qu'est-ce que ce sera, capitaine ? À peu près tout. Ah, répare le navire. Pour 200 balles, ouais, ça passe. Hop là, acheter munitions. Recharge tout. Recharge tout. Et là je suis plein. Niveau ressort on est pas mal. L'apparence on s'en fout. On va améliorer des trucs. Protection. Ouah, protection de coque. Le mortier, tiens, on va améliorer la puissance du mortier. Protection de coque, ça fait que ça. La carnade de proue. Je sais pas comment. Je m'en sers jamais. Puissance des boulets. Augmenter la puissance des boulets serait pas mal, mais on va améliorer le mortier déjà.
Oh. C'est pas mal ça. Cylindre à barillet, mais je sais pas me servir du petit canon, à chaque fois je me trompe. Alors, on va déjà améliorer le mortier. Voilà. Améliorer le mortier. On améliore. Pas chier, voilà. Et je peux améliorer la puissance du pétrole ou rajouter des compartiments à boules explosives. Qui va me permettre d'avoir plus de. Par exemple, permet de transporter des quantités importantes de chaque type de cargaison. Ouais, mais on s'en fout un peu, on n'en utilise jamais. On a jamais assez de cargaison. Parce qu'on est déjà à 1000 de réserve, sauf que bah j'y dépasse pas quoi. Donc, je vais juste rajouter le nombre de boulets. Voilà, très bien, ça sera suffisant. Et on va recharger du coup les boulets explosifs. Confirmé. Je peux acheter des trucs d'apparence? Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Sachant que j'en ai plusieurs. Le Jacques d'eau, c'est pas le bateau d'Edward Kenway? Bah si. Eh ben, on va prendre les voiles du Jacques d'eau. Hein. Ah bah, 100%. La sirène. La harpie. Wow, énervé. Le Morrigan, la figurine de proue de loup. Ouais, c'est suffisant. Et du coup, on a les voiles du célèbre pirate Edward Kenway. J'ai un pote qui en fait un cosplay merveilleux. Sur Instagram, c'est la confrérie des assassins. Vous verrez sûrement la photo. De toute beauté. J'ai du thé, moi. Genre trop. J'ai plein de thé, ça sert à rien le thé, on va vendre le thé. Vendre des produits de la chasse, ouais, flemme. Je vais vendre de la pierre, ce qui coûte... requise pour rénover le bâtiment. On va pas vendre la pierre. On va vendre tout notre thé. Non, c'est du tabac. Merci pour votre confiance. Bon, c'est suffisant. On va tenter de prendre le fort d'assaut. On va attaquer le fort, on va capturer le fort. Bon, on va essayer. Non, on verra ça après. On va lancer. Descends, Shai. Oh. Le capitaine tient la main. Faites gonfler la grande voile. Oh là là, les belles voiles. Voilure à bloc. Il est où le fort? Des chasseurs de pirates, capitaine. Gardez les cacatois et les huniers. Le fort, il est où? Ferlez la grand voile. Alors, quelle est la touche du mortier? On va regarder les options. Je connais pas mes touches. Fabrication. Oh, je peux fabriquer des trucs. Elle est équipée là. Ah oui, non, je peux fabriquer ça. Non, je peux rien fabriquer. Je peux littéralement rien fabriquer. Il me faudrait des trucs en plus. Oui, bon. Amélioration de Shai. Oui, il faudrait que j'achète les autres trucs. Mais bon. Bon, allez, on peut acheter. Je me sers jamais des épées, ça sert à rien. 14 000. Je pourrais faire le couillon et acheter un truc à 14 000, mais... Oh, le pistolet d'Edward. Oh ouais. Il est encore mieux que celui que j'ai déjà. C'est incroyable, ça. Ah oui, je vais prendre le pistolet d'Edward et il est énervé. Et est-ce que épée... On a... Épée d'Altaïr. Ah, une épée viking. On a l'épée d'Altaïr. Un katana. Parce que pourquoi pas. L'épée d'Unity. Trop bien. Ça ne sert à rien. Elles sont mieux ou moins que celles que j'ai déjà? Elles sont beaucoup mieux que celles que j'ai déjà. Plus 2, plus 3, plus 3. Et là, on a du plus 3, plus 3, plus 4. Oh ouais. Et là, du plus 3, plus 1, plus 1. Ah non, c'était pas les bonnes armes. Non, c'est l'épée d'Altaïr. A débloqué un endroit précis de l'Atlantique Nord après avoir accompli toutes les missions de la flotte. Ok, je vais faire toutes les missions de la flotte. Bref, sans Norcam, mais je vais les faire, les missions de la flotte.
Et dans les tenues, j'imagine que je peux avoir les tenues du tueur d'assassin, cette tenue qu'il a. La tenue d'Arnaud. C'est dégueulasse. Assassin de l'ombre, capitaine, tireur d'élite, tracker, pilleur. Ouais, elles sont pas ouf. Donc je disais, sont pas ouf les tenues. Sont pas ouf. Armure indigène, templier du 11e, fantassin templier, armure viking. Bon, sont pas ouf les tenues. Mais je vais faire les missions secondaires. À la base, je cherchais les contrôles, moi. C'est... Non, commande navire, voilà. Chant marin, arrêtez de chanter, ok, t'es... Le canon à barillet, y a pas d'arme sur... y a pas de truc sur le canon à barillet. Voilà, et le mortier sera le 2. Et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait un point d'interrogation, c'est qu'il n'y avait pas de touche. Et du coup, ce qu'il faut que j'éclate, c'est ça. Salut. Les mortiers sont parfaits, sang du Christ. Raté. Pareil, capitaine. Bah, apparemment, non. Ça doit être juste un truc à prendre depuis le sol. Je vais essayer de faire ça. Il y a le pirate là qui va m'agresser, j'ai pas envie. Et du coup, comme je suis en combat, je peux pas me barrer. Ah, il fait chier le pirate. Ah non, c'est un chasseur de pirates. Mais il y a une montagne entre nous, espèce de couillon. On va s'amarrer. Allez, cassons-nous. On va essayer de faire... J'ai cru que j'allais tomber de l'autre côté du port. Ça aurait été très con, mais très drôle. Mais ben écoutez, on va essayer de prendre le petit port, j'imagine que je peux, non? Ou je suis juste excessivement débilus? Ah, c'est vraiment une... C'est un QG de gang, bah voilà, il y a une carte templier et tout. On va prendre le QG de gang, et avec un peu de chance, ça vous permettra de récupérer de l'argent. Allez, allez, mission de... Les champs de pirates, ils sont chiants. Plein. Puis pigeon, ok. J'ai déjà pris le point de. J'ai déjà pris le point d'observation de cette zone. Ah ouais. Incroyable. Dans cette direction, oui. Allez. Ça, c'est un QG de niveau 1. Le chef de... Salut les gars. C'est pas exactement ce que j'imaginais arriver, mais ça me va bien. Allez, casse-toi. Allons sauver le Pégu. Soyons gentils. Salut. Toujours un plaisir. Allez, mes sauver. Plus sincères remerciements, monsieur. Là-bas. Hold there. Voilà. Non, t'as pas de clear shot, tu dégages. Je vais vous péter votre... devenir anonyme. Mais... casse-toi. Tout t'as survécu. T'es mieux à chier, mes armes. Il aurait fallu que j'équipe ceux de Ethan. Casse-toi. Allez, casse-toi, merci. Ah, mais cassez-vous! T'es chier, toi, si, là. Hop là, non. Viens là, toi.
slip away from us, you mangy dog! I can shoot him! I'll catch up with you one way or another! Mark my word! Nearshot! He's in my sights! Mais... Voilà, merci. Ça y est, j'ai compris comment fonctionnait la dague à corde. J'étais juste un peu couillon. Alors, il me reste le chef de gang capturé, là. Enfin, tué. Et un fragment d'animus. Et comme vous le savez sûrement, j'aime les fragments. Tout presque autant que le pognon. Je l'ai vu. C'est pas exactement lui que je visais. Il a explosé à cause d'une bombe d'un de ses mecs. À l'arnaque. Oh la gigavan. C'est pas du tout ce que j'espérais, mais bon, moi ça me va bien. D'accord, les forts, ils ont 7 têtes là. Donc il y a 2 œufs de forts à prendre et des QG de base. Bah les égaux, du coup j'ai toute la map, c'est bien, j'aime. Donne-moi mon pognon. C'est pas la flotte que je voulais accéder. Mais puisque je suis là... Et bon, on va l'ajouter à la flotte, écoute. Voilà. Cool, on a récupéré des trucs. C'est-à-dire que je peux envoyer lui. Vas-y, va te battre. On va le réparer. Pour 16 balles, je répare un bateau complet. Alors que le mien, il m'en faut 250, ça veut rien dire. Allez, et toi, va en Floride. Vas-y. Voilà. Mais du coup, j'ai pas accès à mon pognon. Ah, si, voilà. Ah, j'aime l'argent. Bon, vite, on va retourner au bateau. Aïe. On a pris le contrôle de la zone, on est plutôt pas mal. Et secourir le colonel, ça fait 2 jours qu'on est en route pour aller le sauver. 2 jours que je papillonne en capturant des bateaux, en libérant des forts. En capturant des forts, ça dépend le point de vue de chacun. Mais du coup, il y a le PQ là qui va m'agresser, je le sens. Du coup, je vais le niquer. Ouah, c'est qu'il a du PV, le salopard. D'être sûr de bien le niquer. Oui. Oh, je le capture. Je suis désolé, hein. Je papillonne, je perds du temps, mais là, on va le niquer. Oh, je vais le capturer pour ma flotte, ce bateau. J'ai des grenades à fragmentation. Oh, j'ai plus de grenades à fragmentation. Oh, l'arnaque. Loupé. Oh, le double loupé. Yippie. Bien sûr que j'ai loupé. Salut, Captain. Ah, fuck. Et du coup, il faut que j'en tue 10, ils sont un peu plus nombreux cette fois. Allez, meurs.
Allez, tu meurs, tu meurs, tu... J'étais en train de tuer ton capitaine, casse pas les couilles. Un haut grade, pas chier. On a perdu un membre d'équipage, non. Meurs. Let's go. On les a eu, on les a eu, on les a eu, on les a eu. Et on a eu pas mal de matos. Et on l'envoie à la flotte, bien évidemment. On capture. Il a toujours autant les cheveux qui dépassent. Et c'est bien dommage. Et du coup, on a encore plus recherché. Excusez-moi, je suis malade. Je vais taper. J'ai pas tapé. J'ai de l'argent en banque. Et comme vous le savez, j'aime l'argent. Mais nous, on veut aller aider le capitaine. Enfin, le colonel, ça fait 8 fois qu'on fait autre chose. Le mortier, c'est quand même super efficace sur les bâtons. C'est pas fait pour, mais pas qu'est-ce que ça fait du dégât. Je sais pas ce que c'est que cette mission là, enfin cette icône que je vois là-bas. Sûrement des ressources à piquer. Et bref, je suis pas du tout parti du bon côté, dites-moi. Ah bah oui, bah oui, faut que je refasse le tour. Ah bah oui, demi-tour les gars, demi-tour, on s'est trompé. Allez! Oh là là, c'est voile! Pa 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 pa! Ça, c'est beau! C'est vrai que je peux les éperonner avec le giga truc à l'avant que j'ai sur mon bateau là. C'est un peu même le but d'un éperon, d'éperonner les gens, mais. Tout va bien! Tout va très très bien. Allez, colonel, j'arrive. Ça fait que 3 mois que vous m'attendez, mais j'arrive. Faut que ça aille vite. Faut pas qu'on ait un épisode trop long. Allez, vous allez me laisser me balader, oui. Allez, 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 allez. Alors sauvez le colonel. Dans les bras, capitaine. Attention au gras. Hop là. Capitaine, vous allez bien? Le capitaine est passé par-dessus bord. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh. Ouah, comment c'est trop bien. Je savais pas que ça existait. En même temps, si je me sers tout le temps du TP, c'est sûr que... Mais bon. Allez, vite. Colonel. Non, c'est pas le colonel. Shay. Quel plaisir de te voir ici. Jack? Le colonel Monroe s'est rendu au général de Montcalm. Les Français et leurs alliés Abenaki ont pris Fort Henry. Johnson devait me retrouver ici avec des renforts. Eh bien, je ne vois personne. Les Abenaki s'impatientent. Ils n'acceptent pas la reddition et refusent d'écouter Montcalm. C'est pas ouf, ça. Le colonel et ses hommes ont été libérés ce matin. Ils courent droit dans une embuscade. Reste ici, au cas où Johnson arriverait. Je protégerai le colonel. Merci. T'as des grenades? Non. Ok. Je vais peut-être enfin pouvoir payer ma dette. Nice, nice, nice. Bon, bah, let's go. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Trouver mon roi et ne subissez aucun dégât. Je t'ai vu, hein. Ça a rien de te cacher.
Je vais y aller à la cordelette. Allez, reste là. Et là, tu meurs. Allez, des bisous. J'ai pas de couteau de lancer. Attends, j'ai pas... Oh l'enfoiré, il a failli one shot. Voilà, foiré. Bon bah la mission secondaire c'est foutu. C'est perdu, c'est pas grave. Oh y'a de l'argent. Oh mais putain, vous faites chier. Non. Pas les couilles. Il y a beaucoup trop d'assassins. J'aime pas ça. Je t'ai trouvé, mon ami. Run. Salut Monroe, comment tu vas? Master Cormac? Monsieur, nous devons faire vite. Emmenons le reste de vos hommes à bord du Morrigan. J'accepte votre offre, capitaine. Suivez-moi. Le salut nous attend. Mais on va où, là? Je suis, hein, mais on va où? Il faut qu'ils se mettent en position et tout. Si je peux me permettre... Fais chier, les gars. Que s'est-il passé à Fort William Henry? Malchance et mauvaise organisation, mon ami. Montcalm nous a bombardés des jours durant. Maudit Français. À vrai dire, il s'est comporté en homme d'honneur. Il a répondu fort généreusement à nos demandes de pourparlers. Il nous a autorisés à garder nos armes et, plus important, nos couleurs. Pour vous précipiter dans un piège. Je ne m'attendais guère à ce que les Français nous défendent. Et vous? Non, moi non plus. Vous persistez à prouver votre loyauté envers les Templiers, Master Cormac. À risquer votre vie pour moi. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire, colonel. Quant à ma loyauté, c'est envers vous que j'ai une dette. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez donné une seconde chance. Voilà maintenant un an que nous travaillons ensemble. Un an durant lequel vous m'avez rendu de grands services. Si vous vous croyez mon honneur, sachez que votre dette est... Peut-être. Oh fuck. Tu es vivant ? À l'attaque ! Non mais je voulais monter moi à la base. Tous à l'abri ! Est-ce comment il va me remettre à ma place ou... Oh, putain, l'enfant. Courage, soldat. Je vais en éliminer un maximum. Ça, c'est tous des mecs entraînés, faut que je perce la défense à chaque fois, c'est hyper chiant. En plus j'ai envie de perdre parce que je suis enrhumé au secours, j'ai crevé. Toi tu meurs et tu fais pas chier. Mauvais. C'est pas exactement ce que je voulais faire dans le jeu. Allez meurs, fais pas chier. Colonel, faites progresser vos hommes. Je pars en éclaireur. Je vous ferai signe en cas de danger. Je salue votre initiative. Là, désolé pour les bruits de rediffusion, mais j'ai pas le temps de mieux que micro. J'ai pas raccourci. Allez. Oh, il y a des tireurs d'élite de partout, au secours. Faut tuer tous les serveurs des... Oh la vache. Et ben vous savez quoi? Je le vois. On va se stopper là. Pour l'épisode. On a beaucoup trop de tireurs d'élite. On va essayer de garder l'épisode vers 30 minutes quand même, histoire que ce soit pas trop long pour vous.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais enregistrer la suite juste après, comme j'ai fait pour cet épisode en fait. Je vais tout enregistrer, tout couper comme un bourrin. Mais sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.